Je me suis repenti et je me suis fait baptiser. J'ai ressenti la joie et la paix que Jésus me communique par la présence de son esprit en moi. Et j'étais tout excité de ma nouvelle condition, celle d'être un enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Mais voici, depuis quelque temps, j'ai constaté des luttes dans ma pensée. Et à chaque fois, je me sens sale lorsque je commets un péché. Je sais tout au fond de moi que l'acte que j'ai posé est désagréable aux yeux de Dieu. Cependant, je n'ai pas pu l'éviter. Je me rends compte que je suis tiraillé par deux forces opposées. Mon esprit me pousse désormais à faire le bien, tandis que ma chair me pousse à faire ce qui est mal. Romains chapitre 7, les versets 18 à 23. Je tiens à te rassurer, frère, que cela est bon signe, car ces luttes te confirment que tu es bel et bien né de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lorsque tu étais pécheur, ta conscience était éteinte et ton cœur était de pierre. C'est pourquoi tu étais insensible à la volonté de Dieu et que tu pouvais pécher sans réellement t'en soucier. Cependant, lorsque Jésus t'a touché, il y a eu un grand changement. C'est vrai qu'il n'est pas visible à l'œil nu, parce que ton apparence est restée la même. Mais à l'opposé, ton être intérieur a été renouvelé. Jésus a remplacé ton cœur de pierre par un cœur de chair, et il a mis son esprit en toi. Telle est la promesse que Dieu a faite aux hommes qui choisiront d'abandonner leur mauvaise voie pour le suivre. C'est la manifestation de la nouvelle naissance. Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20. Dans ton esprit, tu es esclave de la volonté de Dieu, mais par ta chair, tu es esclave de la loi du péché. Romains chapitre 7, verset 25. Mais tu diras alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas délivré du péché? Sois sans crainte. Jésus t'a délivré de la puissance du péché et de la mort. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Tu as en toi la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. La réalité est que, comme tout nouveau-né, tu dois boire du lait, puis manger de la nourriture solide pour avoir la force nécessaire pour grandir. Et d'étape en étape, tu pourras t'asseoir, puis tu pourras ramper, marcher, courir, sauter et bien plus. Tu es donc tout simplement inconscient du potentiel qui est en toi et tu as le devoir d'apprendre à le connaître. Oui, la vie chrétienne n'est pas une vie statique, mais bien une marche dynamique. Comme nous le disait le Maître, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Premièrement, il faut que tu saches que tous tes péchés passés, présents et futurs ont été effacés. Ton dossier est vide aux yeux de Dieu, car le sang de Jésus a tout effacé. Hébreux 10, les versets 16 à 17. Deuxièmement, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu ne peux plus pécher. Tu vas te rendre compte bien vite des nombreux faux pas que tu feras tout au long de ton apprentissage, jusqu'à ce que tu sois un homme fait. C'est là qu'interviennent les repentances intermédiaires qui te permettront de te relever quand tu tombes et de laver les taches de ta robe de sainteté dans le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il ne s'agit pas d'un encouragement à pécher volontairement, car ce serait piétiner le sacrifice que Jésus a accompli pour toi à la croix. Hébreux chapitre 10 verset 26. Troisièmement, ton combat quotidien sera de résister au péché avec toutes les ressources que tu possèdes, en t'appuyant sur la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 4.